Il faut savoir que l'organisme a ses propres moyens de défense pour lutter contre l'accumulation de ces toxines. À court terme, il n'y a pas de risque vital. Par contre, à long terme, la répétition de polluants et de stress métabolique répétitifs peut engendrer des maladies chroniques inflammatoires. Nous avons conçu ce programme pour augmenter l'élimination des toxines au niveau de trois organes principaux, qui sont le foie, le rein et la peau. L'important, c'est de favoriser le rôle et la performance de ces organes, et c'est pour cette raison qu'à Vichy, nous avons créé un programme détox qui repose à la fois sur l'alimentation, la crénothérapie qui est l'utilisation des eaux thermales aussi bien en interne qu'en externe, et l'activité physique qui y correspond. Pour l'alimentation, nous avons voulu créer un break métabolique en utilisant une alimentation très peu calorique et en augmentant par palier énergétique progressif. De plus, d'un point de vue qualitatif, nous utilisons des aliments qui sont de forte densité nutritionnelle, c'est-à-dire qui apportent des oligo-éléments, des antioxydants, des vitamines et qui sont très peu caloriques. Nous utilisons des protéines végétales et nous essayons de limiter au mieux les protéines animales et principalement la viande rouge. Le deuxième point important repose sur la crénothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau thermale par voie interne et par voie externe. En externe, il s'agit de drainer et rétablir une bonne circulation sanguine et lymphatique sous-cutanée. Et à cet effet, des soins en eau thermale sont pratiqués. Douche à jet, bain hydromassant, enveloppement sudation et la très célèbre douche de Vichy. Les eaux thermales de Vichy ont pour propriété de transporter et d'éliminer les toxines. Elles ont aussi une action hydratante et anti-inflammatoire. Pour renforcer la crénothérapie, l'utilisation d'un appareil issu de la recherche japonaise à base d'infrarouges et de conducteurs spécifiques permet d'augmenter fortement la détoxication, et cet appareil, c'est le Yashido. En interne, bien évidemment, c'est l'eau de Vichy. Avec l'ensemble de toutes ses propriétés connues et reconnues, elles exercent en premier lieu un pouvoir calmant sur l'acidité gastrique. Enfin, les eaux de Vichy sont connues depuis des siècles pour avoir un rôle facilitateur au niveau du métabolisme hépatique et de la vésicule biliaire. Afin de le compléter, nous proposons également une tisane pour aider à la détoxication. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'activité physique. À cet effet, des activités de cardio-training, d'aquabiking sont programmées selon les capacités de chacun. Le programme détox se déroule durant au moins un séjour d'une semaine, qui débute par une consultation médicale afin de contrôler son état de santé. Concernant le programme alimentaire détox, diététiciennes et chefs de cuisine ont participé à sa construction et sa traduction dans l'assiette tout en respectant les saveurs. L'hydratation est un élément essentiel et l'eau thermale de Vichy est un des points clés de ce programme. La beauté des lieux des soins au spa et la qualité de l'hébergement autorisent l'évasion et une ouverture pour l'imaginaire.